Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de courriers qui vont partir. Alors le premier, c'est pour un échange sur le thème ATC Papillon. Voilà, donc sur le groupe Facebook de Rose Coco Bonbon. Il fallait que je fasse deux ATC et mon envoi doit partir pour Nathalie L. Alors, on va commencer par les ATC, évidemment, présentés. Donc, la première, je la remets un peu parce qu'en fait, avec la mise dans l'enveloppe, donc, on a celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci, j'ai filmé, en fait, la réalisation de ces ATC. Donc je mettrai bientôt sur ma chaîne. Et ça s'appelle Envolée papillonesque. Et celle-ci, c'est la 3 sur 6. Voilà. Et puis, complètement différent. Donc c'est Se laisser porter par le vent. C'est la 2 sur 6. En fait, je commence vraiment à prendre goût à faire les ATC. Donc ça, c'est la 3 et 4e série que je réalise. Et enfin, je m'éclate en fait. Je trouve ça vraiment sympa. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas fait avant. Alors pour accompagner les œufs d'ATC, évidemment, j'ai fait une petite carte. C'est une checker sur le thème. Je suis restée dans le thème papillon. Voilà. Et puis, en fait, à l'intérieur, j'ai fait une pochette. Donc, pour pouvoir glisser la pochette des ATC. Voilà. J'espère que ça plaira. J'ai rajouté, toujours dans le thème papillon, des petits papillons boutons de différents coloris, etc. On ne voit pas très bien. Voilà. Voilà. Et puis j'ai rajouté aussi des découpes. J'aurais dû prendre la planche pour vous la montrer. C'est la nouvelle planche de découpe d'ail de chez Scrap Plaisir. En fait, c'est vous avez des corps de papillons et puis différentes sortes d'ailes. Et puis il y a un papillon en entier aussi. Je m'en suis servi donc pour faire la deuxième ATC. Voilà, j'espère que ça plaira à Nathalie. Et puis en fait, je lui ai fait un petit papier pour faire le petit mot. Donc là, simplement avec pochoir aussi et puis encre. Voilà, donc ça c'est pour le premier envoi pour Nathalie. De la part de Nathalie. Je vous présente donc mon second envoi pour Karine Oukrea, pour son concours des 500 abonnés. Alors tout d'abord, une petite carte sur le Petit Prince. Donc là, c'est tiré de la planche de tampon Le Petit Prince de chez Scrap Plaisir. Le plaque d'embossage étoile qu'on vendait à une époque, on n'a plus. Et puis un tampon meilleur vœu. De la planche de tampon Bonne année ou meilleurs vœux. Voilà. Et puis pour ce faire, j'ai utilisé un kit que nous vendions à une époque pour une carte pop-up Le Petit Prince. J'espère que ça lui plaira. Là-dessus, comme elle aime les ATC aussi, donc elle aura. La dernière de En attendant Noël qui lui était réservée à la base, la 1 sur 4. Et puis la bonne année, la 3 sur 3. Hein, ça c'est pour elle. Je lui ai réalisé un petit. Bon là il n'est pas fixé, hein, il n'est pas complètement terminé. Mais elle aime le thé. Donc je lui ai fabriqué une petite pochette à thé. Hein, où on peut glisser 4 sachets. Voilà, je trouvais que c'était une façon originale d'offrir du thé. Et puis, à la limite, elle peut la mettre dans son sac pour emmener ses sachets
au travail. Je lui joins aussi toutes des découpes de mots de chez Scrap Plaisir aussi, donc des mots en français. Donc là, on a invitation. Non, je raconte n'importe quoi, c'est moment. Bref, en fait, il y a plusieurs originales, spéciales, enfin, toute une panoplie de mots en français. Je rajouterai aussi des tamponnages de Gorgeous, parce qu'elle aime ça. Et puis, on profite de ça. Ma fille a voulu leur faire parvenir à ses enfants des ATC aussi. Donc, celle-ci, c'est pour son fils, donc pour Mathéo. Voilà. Donc, c'est la 3 sur 3 de Romane. Elle va quimper que je fais une vidéo sans elle, mais elle est à l'école, là. Et puis, donc, pour Loïse, la 2 sur 3. J'espère que ça plaira aux enfants de Karine. Ben voilà, donc on a fini pour aujourd'hui au niveau des présentations de courriers qui vont partir. Alors je vous dis bonne semaine et à bientôt. Bye bye!